Mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouvel épisode, nouveau sujet dans votre émission préférée SOS Planète en danger. Accueillons chaleureusement monsieur le fondateur de l'association Planète Verte, monsieur Zekrin. Merci infiniment. Et le maître de sciences vie et terre, monsieur Chouakin. Je vous remercie, très content d'être parmi vous. Monsieur Chouakin, c'est quoi l'environnement? L'environnement est l'ensemble des éléments qui entourent individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins, d'agir sur les organismes vivants, les activités humaines. Monsieur Chouakin, comment on protège l'environnement? On peut protéger notre environnement par diminuer la fumée des cigarettes, ne pas allumer le feu dans la forêt, planter et arroser les plantes, éteindre la lumière et ne pas gaspiller l'eau. Très bien. Monsieur Zeng, pourquoi on trouve la pollution dans la ville puisqu'on la trouve à la campagne? À mon avis, en tant qu'écologiste et comme tout le monde le sait, il y a plus de pollution en ville car il y a beaucoup d'usines, de véhicules et d'habitants. Par contre, la campagne, il y a surtout la verdure, la belle nature et l'air pur. Bien. Quels sont les bons gestes qu'on doit adopter pour la protection de l'environnement? Parmi les bons gestes qu'on doit adopter, chaque individu doit être responsable et respectueux envers son environnement. Planter plus d'arbres de gazon. Trier ses déchets, respecter la nature, sensibiliser les gens envers son environnement. Faire des bénévoles. Monsieur Zé, vous visitez beaucoup les écoles. Comment vous sensibilisez les élèves? Oui, j'ai visité beaucoup d'écoles. Je sensibilise les élèves en leur expliquant comment protéger notre environnement. Parmi les précieux conseils que je leur donne, c'est de changer la poubelle classique par celle de tri. Monsieur Chouin, quels sont les bienfaits de la poubelle tri? La poubelle tri est la meilleure. Car on peut recycler tout ce qu'on jette. Il est efficace, utile et nous aide à éviter le gaspillage. Notre émission touche à sa fin. J'espère que le monde agit le plus tôt possible. Rendez-vous prochain épisode. Au revoir.